Salut Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques. Encore petit, je pense, mais un emplacement encore spécial. Vous allez voir qu'ils se mettent un peu partout. Je vous montre ça. Donc, vous voyez la clôture. J'ai balisé parce qu'après le traitement, il va falloir protéger. Et juste au niveau de là, vous allez voir, il y a un petit trou dans la clôture. Et vous allez voir. Vous avez vu les frelons dans un trou de clôture, donc à mon avis ils sont dans un parpaing. Donc je vais m'habiller et on va aller voir ça de plus près. À de suite. Voilà, petite tenue des familles. Regardez-moi ce nuage gris qui arrive. Il va avoir l'appui. Encore au mois de juin l'appui, ça fait chier. Bon, petite pub. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des problèmes de frelons ou de rongeurs sur Toulouse. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, on va aller voir ça de plus près. Donc, regardez, sous la plaque. Sous la plaque, il n'y a rien. Regardez les télés. Et juste de l'autre côté. Viens voir, pas contente? Y'a quelqu'un dedans? C'est que toi? Regardez jusqu'où je rentre le pic. Ça y est, j'attaque. Vous avez vu tout ce monde? Un petit trou comme ça, on aurait dit qu'il n'y avait pas grand monde. Mais vous avez vu tout ce qui est sorti? Donc quand même, ça reste assez dangereux. Un petit emplacement comme ça. Des enfants peuvent marcher dans l'herbe. La personne qui veut relever le compteur d'eau juste à côté, ben voilà, il peut avoir un petit risque. Alors, juste à mettre un peu sur l'extérieur. Voilà, comme ça. Je l'aurai.
Bon voilà Dédé, on arrive à la fin de la vidéo. Il commence à pleuvoir. Bon, vous avez vu, ça reste très dangereux. Les emplacements de frelons asiatiques, ils s'installent pas que dans les arbres, ils s'installent souvent en bas. Plus les années passent et plus on fait des nids à hauteur d'homme. Donc ça reste quand même très dangereux. Il n'a pas de prédateurs en France, donc il s'adapte, il s'installe en bas. Donc faites attention au va-et-vient. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre la petite note en haut. Et moi, je vous dis à très bientôt les Dédés.